Hey, salut à tous, ici Wolfie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce, entre guillemets, pour savoir comment battre le grillon des flammes facilement, et je dirais même très facilement. J'ai pas eu de soucis personnellement. Donc, bah voilà, je vais vous donner mes astuces pour le battre. Donc, vous avez besoin, comme je montre, d'œil de chauve-souris, de quoi vous récupérer de la vie au cas où. De quelques flèches quand même et d'un propulseur. Juste un propulseur suffira. Donc pour ça, comment faire? Vous vous téléportez déjà au sanctuaire Gano, j'ai oublié le nom, enfin bref, vous l'avez vu dans la vidéo. Ganossa, je crois, ou Sana, je sais plus. Vous sautez, vous allez atterrir déjà pile au-dessus de lui. Je vous laisse le gameplay, vous allez voir quand je vais arriver. Ça va être plus simple. Quand vous arrivez à peu près à son niveau, pensez à prévoir une tenue anti-chaleur. Parce que dès que vous a, en fait, dès que vous l'attaquez, bah, enfin, dès que vous êtes en combat avec lui, il y a la chaleur qui se met et ça devient une chaleur insupportable. Donc il vous faudra quand même un petit équipement. Et vous voyez ce que j'ai fait là? Direct, j'ai sorti l'arc. J'ai amalgamé les flèches avec les yeux de chauve-souris. Et comme ça, à chaque fois que je tire, bah c'est pas compliqué, je touche une de ses têtes. Sachant que le but étant d'assommer ses trois têtes pour qu'il tombe au sol et que vous puissiez après l'enchaîner à coup d'épée. Voilà. Regardez là, j'ai touché deux de ses têtes pour les assommer. La troisième, il tombe au sol, et là bah, on l'enchaîne, hein. On le tabasse, on le tabasse, on le tabasse. Après, ça recommence. Donc là, vous voyez, je vais même pas laisser le temps de m'attaquer une fois au début, je l'ai enchaîné directement. Là, il va avoir le temps d'attaquer un peu. Le but, c'est de quand même de courir, de se déplacer assez vite. Et toujours, vous voyez, je tire, flèche, œil de chauve-souris. Je vise à peu près une des têtes, hein. Vraiment c'est visé à l'arrache, hein. Et hop, j'envoie, et ça y va. Donc voilà, en gros vous faites que ça. Vous faites que ça. Après, si vous voulez un peu plus, encore plus de facilité, quand vous êtes au-dessus de. Quand ces boules de feu atterrissent au sol, ça crée un courant d'air chaud. Vous pouvez repasser au-dessus avec le. Avec la paravoile, vous allez redécoller en l'air. Une fois que vous êtes en l'air, bah vous ressortez l'arc. Et comme ça, vous êtes encore au ralenti, vous enchaînez comme ça. Ça se fait tout seul, franchement. Ça se fait tout seul. Et il y a juste la dernière étape où vous allez voir, je vais vous laisser le gameplay, mais je pense que j'aurais fini d'expliquer avant. Il va vraiment monter très haut en l'air. À ce moment-là, vous allez voir, il crache des grosses boules de feu. Ce que vous devez faire, juste vous sortez le propulseur, vous l'amalgamez à votre bouclier, vous décollez, et quand la boule, lui, sa grosse boule de feu va arriver au sol, bah ça va vous créer un très grand courant d'air. Vous passez dedans avec votre paravoile, vous remontez, vous allez remonter à son niveau, voire même au-dessus de lui, puis bah là, même technique, vous sortez l'arc. Vous sortez l'arc et puis bah vous l'assommez. Et bah vous verrez, moi c'est juste même la chute qui l'a tué. J'ai même pas eu besoin de l'enchaîner après, c'est juste la chute qui l'a tué. Voilà, en espérant que ça a été assez clair et puis que ça vous soit bien utile. Et puis je vous laisse la fin du gameplay histoire de voir. Allez, ciao tout le monde!